actuellement, nous sommes partis du point d'impact de l'avion, qui était évalué à peu près à une dizaine, vingtaine de mètres derrière vous. L'avion avait environ un cap entre le cap 0,10 et 0,20 en arrivant du fond de la vallée qui est derrière vous. Pour terminer ici, avec une envergure d'environ 35 mètres, on voit des petits arbres étêtés un petit peu plus à gauche. Rien de ce côté-là. Et il est peut-être parti un petit peu en lacet pour terminer.